Ce n'est plus un secret pour personne, la tendance aux jolis ongles est en vogue plus que jamais. Ongles courts, longs, carrés ou stiletto, finis pailletés ou lustrés, variez les styles à volonté avec les produits de Nail Art vendus chez Uniprix. Voici une technique pour poser vos ongles artificiels vous-même. Pour la réaliser, vous aurez besoin des produits Nail Creation suivants. D'un repousse-cuticule ou d'un crayon à manucure électrique, d'un bloc pour polir les ongles, de trois types de lime à ongles, de résine pinceau, de prothèses correspondant au style désiré, d'un coupe-prothèse, de poudre claire ou rose, d'une brosse à ongles, de colle pinceau, d'un catalyseur en vaporisateur, de la base cristal, de la finition cristal, d'une huile à cuticule et d'acétone. Pour commencer, repoussez les cuticules à l'aide du crayon à manucure. Préparez les ongles en passant le bloc polissoir sur leur surface entière et limez-les à la longueur désirée avec la lime émerie noire. Puis, époussetez avec la brosse à ongles. Sélectionnez la taille des prothèses en fonction de la largeur de chacun de vos ongles. Appliquez ensuite une couche de résine pinceau sur l'extrémité de l'ongle. Collez la prothèse avec soin et maintenez-la en place 20 secondes, puis taillez-la avec le coupe-prothèse. Avec la lime émerie or, limez la prothèse de chaque côté afin qu'elle épouse la forme de votre ongle naturel. Puis, limez la prothèse à la longueur et à la forme voulue et enlevez la poussière avec la brosse. Poursuivez en appliquant une couche de résine pinceau sur toute la surface de l'ongle. Commencez l'application vers le milieu de l'ongle, remontez légèrement vers la cuticule et terminez le mouvement à l'extrémité de l'ongle. Prenez soin de ne pas en mettre trop près des cuticules. Puis, saupoudrez l'ongle de poudre et balayez le surplus à l'aide de la brosse à ongles. Continuez en étalant une couche de colle pinceau sur toute la surface de l'ongle. Suivi d'une deuxième couche de résine pinceau, puis vaporisez le catalyseur. Afin de lisser la surface de l'ongle, passez-y le bloc polissoir et amincissez le contour de la cuticule à l'aide de la lime zébra banane. Encore une fois, balayez tout surplus de poussière à l'aide de la brosse. Passez le crayon à manucure sur le contour de l'ongle afin de le peaufiner. C'est maintenant le moment de passer à la finition. C'est à cette étape que vous pouvez ajouter quelques éléments décoratifs spécialement conçus pour les ongles. Une fois la décoration effectuée, appliquez la base cristal, suivie d'une première couche de finition cristal, un doigt à la fois. Il est essentiel d'essuyer le pinceau sur un papier essuie-tout avant de le retremper dans la bouteille de finition afin de ne pas la contaminer. Terminez en étalant une deuxième couche de gel de finition. Finissez en appliquant une huile à cuticule. Une fois la première main terminée, recommencez le processus avec l'autre main. Si vous désirez retirer vos prothèses, il est important d'utiliser uniquement de l'acétone. Vous aurez ainsi de beaux ongles pour un minimum de 3 semaines. Allez, osez être tendance jusqu'au bout des doigts. Se sentir belle, ça aussi, ça fait du bien.